Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Toi, tu sais, tu es chez Heroes Sudayu et aujourd'hui, petite vidéo différente, n'est-ce pas? Petite vidéo d'introduction du futur jeu qui sera présenté sur la chaîne aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, au moment où vous pourrez voir cette vidéo, n'est-ce pas? Nous serons donc lundi matin. Ce ne sera pas les news de SSA, non. Nous allons parler de Genshin Impact, n'est-ce pas? Un jeu que je suis depuis environ 7 bons mois, ouais. Depuis qu'il a été en fait. Présenté à l'époque, c'était à peu près en janvier 2020, au tout début de l'année, avant que le Covid commence à devenir une monstruosité partout dans ce monde. Enfin, je suivais ce fameux jeu en question, n'est-ce pas, qui avait la folle envie de faire en sorte d'être jouable en même temps sur PS4, PC et sur plateforme mobile. Donc, je vais pas vous faire perdre de temps plus longtemps, n'est-ce pas? Nous allons en discuter un petit peu plus après. Et je vais juste vous permettre de pouvoir profiter de la beauté de ces magnifiques graphismes et de cette ambiance, mais alors asiatico-magnifique, c'est pas fait par le studio miHoYo qui s'est aussi occupé de l'autre jeu qui s'appelle Honkai Impact. Je vous laisse admirer. Bon, en espérant que vous ayez apprécié la petite vidéo de gameplay que vous venez d'avoir il y a quelques secondes dans la vidéo, comme vous pouvez voir, le jeu est extrêmement joli. Ce n'est pas de la cinématique, c'est de l'in-game footage, donc c'est tiré directement du moteur graphique du jeu, et en aucun cas du tout. Là, je vous laisse admirer, n'est-ce pas, leur petit site genshinimpact.com. Qui est très très bien fait, n'est-ce pas, qui vous donne l'occasion de pouvoir écouter de la musique, être au courant des news, et surtout, n'est-ce pas, vous montrer le personnage et tout. Bon, voilà, vous donner petites informations sur le jeu. Comme je vous l'avais dit, ce jeu était énormément assimilé, comme vous pouvez dans son aspect visuel, à Breath of the Wild, n'est-ce pas, le dernier Zelda qui est sorti sur le Wii U et aussi sur Switch. Putain, j'étais en train de chercher mes mots, je suis complètement dingue. Le jeu aura énormément d'esquives à mettre en place et tout. C'est un gameplay assez intéressant, franchement. C'est pas un truc tout bateau. Ce sera du tour par tour. Le personnage va auto-attaquer la cible. Ce sera donc à vous d'apprendre à prendre ces mécaniques, n'est-ce pas, et de vous en servir pour pouvoir esquiver les attaques des ennemis et tout pour ne pas en crever. N'est-ce pas ? Nous allons partir, n'est-ce pas ? Regardez nos amis les personnages. Donc vous interpréterez, c'est pas un personnage, appelé The Traveler ou Le Voyageur. J'imagine, le jeu sera entièrement traduit en français en termes de textuel. Il y aura sûrement encore des bugs et tout là-dessus, mais ce n'est pas bien grave. Alors, il n'est pas visible bien entendu là, vous êtes sur Jean, n'est-ce pas? Mais le premier personnage que vous rencontrerez dans l'histoire et qu'on verra très vite, c'est Ember, n'est-ce pas? Notre petite archère enflammée folichonne qui vous aidera et qui vous sera offert bien entendu. D'autres personnages suivront, n'est-ce pas, mais ne seront pas forcément offerts, ils seront surtout une version triale pour vous aider à vous acclimater au gameplay, que seront donc Lisa, n'est-ce pas, qui est une 5 étoiles, belle magicienne d'éclair, n'est-ce pas, et Monsieur Kaya, qui est donc un épéiste, ou plutôt un bretteur de glace. Donc voilà, ça vous permettra de vous acclimater justement au changement d'éléments, et vous vous rendrez compte que vous aurez la capacité de pouvoir faire pas mal de combos assez intéressants, genre par exemple vent plus flamme, ou je sais pas moi, électricité plus eau, des choses comme ça.
plein de petits trucs qui augmenteront justement les dégâts générés sur les monstres et vous aurez parfois de très beaux effets visuels. Concernant sur qui vous devriez pull, n'est-ce pas, quand le jeu va commencer? On va se la faire simple. Le coup des tier list. Ouais, alors, faut pas le prendre au premier degré. Mais je pense que ça reste surtout des tier list personnels, bien entendu. Surtout un mec qui fait que du gacha et qui vous sort qu'il faut sortir forcément un 5 étoiles et qu'il a reroll toute la journée pour pouvoir vous montrer que voilà combien de temps ça prend pour sortir un 5 étoiles. La rareté du personnage n'est pas ce qui influence le plus. Croyez-moi, ça viendra surtout de l'équipement. Clairement, une épée, de toute façon de parler, une épée, une arme 5 étoiles avec les bonnes substats maxées, ça c'est le feu. Vous voyez. Ce sera beaucoup plus intéressant qu'un personnage 5 étoiles. Parce que s'il a de l'équipement de merde, il ne tapera pas fort. Et qui dit ne tape pas fort, t'auras l'air d'un con. Voilà, donc. Tâchez de garder ça en tête. Par exemple, vous avez Dilu qui sera un 5 étoiles, Mérazor qui sera un 4 étoiles. Posez-vous la question, lequel est le plus fort? Vous allez dire, ah, c'est Diluc. Écoutez sa belle voix en plus japonaise. Mondo no Diluc, yakusoku-dori sanjo. Ouais. Bon bah voilà quoi, c'est un noble. Et à côté, vous avez Monsieur Razor. En plus, il dit qu'on a une bonne odeur. Et vous vous dites, le chaque étoile est mieux qu'à 4 étoiles. Ne partez pas sur ça. Je ne fais pas un gacha conventionnel. Souvenez-vous que vous avez en fait des phases de gameplay, des phases de combat, des phases d'esquive et tout. C'est vraiment votre cœur qui parlera. On est d'accord. Le Kokoro fera tout. Trouvez le personnage dans toutes les ribambelles de vidéos de versions chinoises qui ont été dévoilées ou même testées par moi-même, puisqu'il y aura la quasi. On a le droit de pouvoir sortir le personnage en version trial. Pour vous permettre de tester le perso et de vous acclimater avec lui pour être sûr si vous voulez savoir si vous voulez le pull ou pas. Donc gardez ça bien en tête. Mais n'hésitez pas justement à prendre votre temps. Parce que elles tomberont pas comme ça en fait, les. Comment ça s'appelle? Les petites ressources pour pull, vous en rendrez compte. Une d'outils, c'est 1600 primogem. C'est pas facile, franchement, c'est 1600, vous dites, oh, c'est rien, s'ils nous en donnent 500 à chaque fois et compagnie, ça ira vite. Mais ça tombe pas aussi facilement, vous en rendrez compte. Vous aurez la capacité de pouvoir farm, certes, mais ça prendra du temps. Et les free seront bah, comme tous les gacha games au final. Vous vous en rendez compte, vous irez pas, acheter 10, 15, 20, 30, 50 multi comme ça gratuitement. Ça prendra du temps, donc... Focalisez-vous sur un personnage que vous voulez sortir spécifiquement. Vous vous dites par exemple, oh tiens, la petite fichelle, mais je l'aime bien, j'ai envie de la jouer. Vous attendrez donc que sa bannière en rate-up apparaisse pour éventuellement lâcher ce que vous avez à lâcher dessus. En espérant bien entendu que la Rijigote sera avec vous. De mon côté, le choix est fait. Ça sera Xiao. Le god tier du swag. N'est-ce pas l'homme qui, quand il porte son masque, devient démoniaque et se fait bobo quand il frappe. Mais voilà. Franchement, je suis tombé sous le charme du personnage. C'est, à mes yeux, le personnage que je trouve le plus badass en termes de combat. C'est pour ça que lui, je me casserai les dents à essayer de pull dessus, en tant que free-to-play, bien entendu. Et puis, écoutez-moi cette beauté de seiyuu japonais. Ona, Zokuna, Kana, Suina, Rasetsuna. On n'a rien compris. Mais vous avez compris. Allez simplement pull sur les personnages de cœur que vous appréciez le plus. Et surtout, ne vous dispersez pas. Prenez un personnage, deux personnages. Maximum. Montez-le au maximum. Dès que vous dites que vous avez tout donné pour ce perso, passez éventuellement au prochain. N'allez pas mettre petit à petit des trucs. En termes de temps, ce sera beaucoup mieux, parce que vous jouerez souvent au combo avec deux personnages. Surtout si vous faites du multi avec d'autres personnages, avec d'autres joueurs. Vous verrez, vous aurez ce combo qui marche très bien ensemble, et vous pourrez partir en fait sur cette mécanique de monter deux persos qui marchent bien ensemble, et pouf, vous aurez en fait une box extrêmement bien montée. Voilà. Moi du coup, je vais vous laisser là. Il est 1h du mat au moment où j'enregistre cette vidéo, je suis désolé. Petite information, pensez à monter votre rang d'aventurier niveau 20 avant la venue de la mise à jour 1.1, n'est-ce pas, quand le jeu lancera, ce sera donc la 1.0. Jouez jusqu'à atteindre le rang aventurier, bien entendu.
C'est pas le rang du personnage, c'est le rang aventurier, c'est l'équivalent de du rang de votre compte au final. Pour pouvoir bénéficier justement de ce personnage offert, ça a été donné aujourd'hui comme information. Enfin hier. La petite Barbara vous sera offerte, Miss Healer, qui chante et qui danse pour vous rendre, et surtout qui vous rend de la vie. Donc voilà, elle vous sera offerte, donc tâchez de monter ça très vite en attendant. Moi je vous laisse, passez une excellente journée. On se retrouvera en live sur ma chaîne Twitch, j'imagine, lien dans la description, n'hésitez pas à aller voir. Sinon, lâchez une com sur YouTube, et puis j'y répondrai bien entendu. En attendant, portez-vous bien, et passez une excellente journée. Allez, bye.殺戮は我の専門分野だ。お前が殺せない時、我を呼ぶという。何の騒ぎだ。我を呼び覚ますとは。それ。逃げようなんて思わないでよね。判決を下す。風だ。